Maintenant, une autre méthode de pouvoir faire le devis, voilà, quantitatif maintenant. Voilà, il y a le devis quantitatif qu'il faut faire. C'est-à-dire, quand je dis quantitatif, en fait, il faut faire sortir quel est le volume des fondations, voilà, quel est le volume des poutres, quel est la surface du dallage, le volume des amorces des poteaux, voilà, et quel est le volume des dalles pleines. Tout ça, tout ce que je viens de dire, ça forme ce qu'on appelle par un devis quantitatif. C'est-à-dire, il faut trouver le volume des éléments béton armés. Vous voyez qu'il faut calculer. C'est très simple. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est simple. Il suffit de connaître toutes les formules que vous avez eu à faire à l'école. Maintenant, ici, ce qu'il faut faire, c'est quoi? En fait, il faut juste rapidement repérer. Ou bien tu vas dire au client de faire, voilà, les plans de coffrage. Grâce au plan de coffrage, on aura en fait tout ce qu'il faut. Ou bien tu fais une estimation, tu te dis, ok, déjà, si tu es un bon calculateur, tu es un bon ingénieur, tu sauras que ici, par exemple, pour tel projet, par exemple, tu auras la plus grosse semelle à temps, 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 ainsi de suite, et puis tu peux utiliser. Ouais. Soit tu te dis, ok, je considère toutes les semelles ici à 150, du coup, 150, vous voyez, ou bien 120, ou bien 130, ou bien 140. Bon, on va prendre dans le sens où une semelle, c'est 150. Donc, du coup, tu comptes rapidement le nombre des poteaux. Tu estimes, parce que tu es ingénieur, tu sais là où tu peux placer tes poteaux. Ici, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 poteaux. Je crois quelque chose de 22. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà, donc on a quelque chose de 23 poteaux. Vous voyez, 23 poteaux. Tu peux estimer la section à 15. Par exemple, voilà, on a 23 poteaux. 23 poteaux égale à 23 semelles. Donc, 23 semelles. 23 poteaux. Ok, donc les semelles, j'ai dit 150, j'ai dit 150, j'ai dit 40. Les poteaux, je dis par exemple 15, 30. Vous voyez, donc les hauteurs, hauteur H1, ça veut dire hauteur des amorces. Je peux dire les amorces se trouvent à 1m50 et les H2, c'est hauteur des poteaux, je dis 3m20. Vous voyez, du coup, vous voyez, donc j'ai rapidement déjà ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le volume des semelles. C'est-à-dire, tu auras 0,40, voilà, que tu vas multiplier par 1,50 m, multiplié par 1,50 m. Là, tu trouves le volume d'une semelle et que tu vas multiplier par 23. Je multiplie par 23, ça me donne 20, voyez, 20,7 mètres cubes comme volume. Donc, je prends pour les amorces poteaux. Du coup, j'ai 15, 0,15 fois 0,30 fois 1,50 m. Ça, c'est le volume d'un amorce que je vais multiplier par 23. Ça me donne, pour les amorces, j'ai un volume de 156. Donc, les amorces poteaux, j'ai un volume de 156, 1,56 mètres cubes. Je vais sur les poteaux. Donc, j'ai 0,15 fois 0,30 fois 320, 3,2. Ça me donne ça que je vais multiplier par 23 poteaux. Et ça me donne 3,3. Donc, voilà. Donc, rapidement, vous avez en fait les quantités des poteaux, les quantités des semelles. Voyez. Donc, du coup, nous avons souvent des feuilles Excel qui nous permettent de faire ça. Par exemple, je viens sur les semelles. Voilà. Donc ça, c'est une feuille Excel qui va toujours avec
la formation. Vous voyez, ici, vous voyez que les données sont ici, c'est ce mail. Le niveau du terrain naturel, on dit 0,0, le terrain naturel se trouve au niveau 0,0. Quand je dis terrain naturel, c'est quoi? On a ça. Voilà, c'est ça, terrain naturel. Et ici, c'est notre fond de fouille. Le terrain naturel se trouve à plus 0,0. Maintenant, on a la rase inférieure de la semelle. On a dit c'est moins 1,50 m. Vous voyez? On a notre coefficient de foisonnement qui nous permet de calculer les semelles. Voilà. Le nom de ta semelle, tu peux dire que c'est S1. Tu peux dire c'est S1. Vous voyez? Maintenant, le nombre, c'est 23. Et puis, la semelle fait grand A, c'est 1,50 m. Grand B, c'est 1,50 m. Et la hauteur, c'est 0,40 m. Voilà. Donc, nous avons le volume de la semelle qui est ici. Vous voyez, c'est 20,70. J'ai trouvé combien? 20,70 également. 20,7. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, on ne considère pas ce qui est en bas parce que c'est pas ça. Maintenant, on a les fouilles. Donc, les fouilles est là. Voilà. Donc, on a du coup... je vais changer ici, par exemple. Je mets 0. Là aussi, je mets 0. Mais vous pouvez avoir des semelles ayant des trucs différents. C'est-à-dire des sections différentes. Il suffit de venir remplir ce tableau. Donc, voilà. Donc, on a ça. Bah, ici, on a le volume de la fouille, volume de béton, volume de surface de coffrage. On a un volume de béton de propriété. Voilà, donc le béton de propriété, son volume est là. Donc, le béton de propriété, en fait, c'est le béton qu'on met sous semelle pour pouvoir poser la semelle. Donc, la semelle sera posée sur le béton de propriété d'épaisseur 5. Et donc, c'est un béton de propriété d'épaisseur 5. Donc, épaisseur de béton de propriété, c'est là, c'est 5 cm. Maintenant, si vous êtes, par exemple, en train de faire le radier, quoi, vous pouvez mettre 10 cm ou bien ce que tu veux. Bien. Ok, nous avons le remblai. Voilà, vous savez, le remblai, c'est quoi? Déjà, comment faire pour calculer le volume du remblai? Je prends un exemple. Vous voyez, j'ai une semelle de 150. Vous voyez que la profondeur, c'est quoi? Donc, la profondeur, c'est ça. Donc, pour calculer le volume du remblai, ça sera quoi? Ça sera le volume total de cette fouille-là, moins le volume de l'ouvrage enterré. Vous voyez? Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, je vais prendre dans le sens où j'ai 1,50 m, vous voyez, fois 1,50 m. Fois 1,50 m, c'est ça, non? La semelle 1,50 m, donc ça fait le volume de la fouille, ça fait 0,125. Mais non, or l'ouvrage c'est la semelle. La semelle fait 1,50 m fois 1,50 m fois 0,40. Ça te fait 1,9. Donc j'aurai 1,125 moins 0,9, ça me fait 0,22. Donc volume à rembler, ça fait 0,26 mètres cubes de remblai dans l'ouvrage. Ça, c'est dans le cadre où on n'a pas mis, en fait, les débords. Donc, sur les semelles, il n'y a pas de bord. Parce qu'il peut avoir les débords de 2 cm, 4 cm, 5 cm, 10 cm, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Là, c'est dans le cadre où il n'y a pas truc là. Voilà. Donc, ici, la fouille, c'est 137. Donc, la fouille de ça, on a trouvé le volume 0,26. Je crois. Multiplié par, je vais faire 23. Ça me donne combien? 5,17. Je trouve que c'est trop. Voilà, ça c'est manuellement. Maintenant, on ne doit pas oublier que ici j'ai juste enlevé l'ouvrage, c'est-à-dire j'ai juste enlevé la semelle, mais je dois enlever aussi le béton de propriété.
Voilà, le béton de propriété aussi doit partir. Ok, ça c'est dans le cadre où il n'y a pas les débris. Voilà. Maintenant, quel est alors, il faut ajouter, quand vous calculez les fouilles, il faut ajouter ce qu'on appelle par le coefficient de foisonnement. Parce que si vous mettez pas votre coefficient de foisonnement, souvent vous aurez les coefficients de foisonnement et les débords, c'est-à-dire les coefficients de foisonnement et les débords qui vont te permettre de bien gérer les fondations. Regarde maintenant ce qu'il faut faire. Quand tu veux calculer le volume de la semaine, le volume de fond de fouille, regarde ce qu'il faut faire, c'est quoi? Le volume de la fouille, tu vois? Tu vas prendre le volume qui est là, c'est-à-dire tu vas prendre le volume, le grand A plus petit a. Quand je dis grand A plus petit a, c'est le côté de la semaine, plus petit a, c'est les débords. Bon, je vais dire plus D, qui sera encore grand B plus D. Voilà. En fait, ça, c'est la section de la semelle qu'on va multiplier encore par la hauteur. C'est-à-dire, quand je dis la hauteur, c'est le niveau terrain naturel qui est 0,0 moins notre fond de fouille. Notre fond de fouille, FF. Et on va multiplier tout ça par le coefficient de foisonnement. Donc, le coefficient de foisonnement, c'est égal à 1,10. Voilà. Donc, j'ai tout ça. Donc, si je veux calculer le volume, ça, c'est pour une semelle. Déjà, nous avons les semelles de 150. 150, ça va nous donner 190. Donc, 1,9 plus 1,9. Multiplié par terrain naturel de 0 et fond de fouille moins 1, ça fait multiplié par 1,50. Je dis 1,53 pour moi, multiplié par 1,10. Donc, j'aurai ceci, j'aurai 1,9. Ici, c'est X parce que c'est la section. J'ai dit 1,9 et fois 1,9, ça donne ça. Et qui sera multiplié par 1,5 qui est la hauteur pour avoir le volume total. Voilà, ça nous fait 5. Multiplié par 1,1 qui est le coefficient de foisonnement. Donc tu prends le volume de la fouille avec les débords, multiplié par le coefficient de foisonnement. C'est-à-dire le volume de la fouille avec les débords, multiplié par le coefficient de foisonnement, c'est ça la formule. C'est dans ça. Donc on a 5,95. Voilà, on a 5,95. Donc je vais essayer de multiplier par 23. Ça me donne 136,99, donc du coup 137. Voilà. Donc je viens ici, je vois, j'ai 137 ici. Voilà. Et le remblai, je vous ai dit que le remblai, 137. Et nous avons le béton de propriété qui est 2,94. Donc le volume de remblai, c'est le volume de la fouille moins la somme de volume du béton, c'est-à-dire de l'élément des deux. Donc du coup, si on fait ici, ça va nous faire déjà. Je vais calculer pour voir. Je fais 20,7 plus 2,94, c'est le volume de béton de propriété. 23,64 que on va enlever 137. Donc dans 137, on va enlever 23,64. Donc j'aurai, bon, je vais mettre moins 137 directement. Donne 113, c'est 113,36 qui sont là. Voilà, c'est comme ça que tu peux faire. Donc du coup, ici maintenant, quand tu fais le maître, tu sais que le volume des remblais, quand je vais faire des remblais contre fondation, j'aurai besoin de 113 mètres cubes. 113 mètres cubes. Donc du coup, tu auras combien de camions de mètres cubes? Déjà, tu peux avoir des camions de 20 mètres cubes. Donc, tu peux commander les camions de 20 mètres cubes. Donc, on va faire 120, on arrondit ça à 120, du coup, que je vais diviser par 20. Et donc, ça me donne 6 camions de 20 mètres cubes pour faire les remblais contre fondation. Mais les remblais contre fondation, ici, c'est quand ton terrain est plat. Ici, on a pris dans le cadre où le terrain est plat, on va juste remplir les fondations. On aura besoin de 6 camions de 20 mètres cubes de remblais pour rembler le terrain. Vous voyez, 6 camions de 20 mètres cubes pour rembler le terrain.
pour remplir les fondations, autant pour moi. Donc, du coup, c'est comme ça. 6 camions de 20 mètres cubes pour remplir les fondations. Voilà, ça c'était la première étape pour les fondations.